Oui, ça va bien avec le matin. Non, laissez-moi encore dormir un peu. J'en veux plus être enfermée ici. Oh. On mange mal, on dort mal. Et on ne peut quasiment pas être en train. Tu veux dire profiter de notre passion, c'est ça? Oui, voilà, c'est la chose qui me manque le plus. Oui, bah, plainte pas. Moi, je dois faire des vêtements. Alors ici, je peux pas du tout, alors que vous, vous pouvez faire un peu de trucs. Il n'y a pas d'animaux ici. Et on peut pas utiliser la technologie, il n'y a pas de réseau. Non, plainte pas, Stella. Toi, si tu veux, tu peux encore créer des vêtements avec la robe que t'as là. T'as juste à la découper et la refaire. T'as cru, elle est trop belle. Donc, arrête de te plaindre. Nous, on est sans passion du tout et on ne peut rien faire pour l'avoir. Bah, crée-toi des animaux en papier. Est-ce que tu vois du papier ici? Non. Alors, des animaux imaginaires dans ta tête. Bah, alors, tu peux le faire aussi, ça, toi. Oh, j'aimerais tellement pouvoir sortir d'ici. J'ai l'impression d'être une souris en cage. Les souris, c'est pas beau. Tais-toi, Stella. Tu m'énerves. Espèce de princesse gâtée. Quoi? C'est moi qui suis un truc de princesse gâtée? Exactement. Maintenant que vous êtes toutes revenues, j'ai besoin de vous. Pourquoi faire, maître? Pour aller chercher certaines fées. Certaines fées? Comme lesquelles? Vous voyez tous les faits que je vous ai dit la dernière fois. Sauf que là, je les veux. Mais d'autres. Comment ça, d'autres? On a déjà capturé 3, tu crois pas que c'est suffisant? On me vouvoie. Excusez-moi, maître. Mais moi, ça commence à m'énerver. Qu'est-ce qui t'énerve? On fait tout pour capturer ces faits. Et vous, vous ne faites rien. C'est moi qui ai capturé la fée des animaux, figurez-vous. Oui, sauf que ce n'est qu'un tout petit peu de choses. Moi, j'ai bien capturé la fée de la technologie. Exactement. Et moi, j'ai bien capturé la fée de la lune et du soleil. Et la princesse du soleil en même temps. Et moi, j'ai essayé. Mais si vous voulez, vous voulez que j'aille capturer laquelle maintenant? Tu vas toujours essayer de capturer la même. Cette princesse d'Andros, là. Celle-ci. Très bien, d'accord, ma chérie. Ah, elle, ok, elle a du boulot, mais nous, on n'en a pas. Toi, tu vas t'occuper d'une fée aussi, ne t'inquiète pas. Ah, ça me rassure. Et moi, tu vas m'en donner une aussi? Je t'ai déjà dit quoi? Tu me vouvoies. Ah bah, excusez-moi alors, maître. Il me faut elle aussi. Et elle, qui s'appelle Bloom. Donc vous allez vous départager les tâches et vous allez devoir me les capturer. Ok, bah je m'occupe de la Bloom. Pourquoi? Tu considères qu'elle est plus faible que l'autre? Cette calculette n'a pas de pouvoir, ce serait plus simple pour toi. Là, tu es en train de me dire que je suis faible. Je te signale que Bloom et la fée Flora, je sais pas quoi, elles n'ont pas de pouvoir à deux. Donc, elles sont aussi faibles à deux. Donc maintenant, tu arrêtes. D'accord? Ok, ok, d'accord, je me charge de la Flora. Et moi, Bloom. Ok, très bien, j'y vais. Et je pense que c'est à mon tour d'aller. Oui, vas-y.
Je dois ouvrir mon cœur à la nature. Nature, si tu m'entends, écoute ma voix. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Je dois avoir mon pouvoir technique. Je dois, Basaltor. Je t'aiderai. Je te promets que je t'aiderai. À vaincre cette menace et je sauverai l'enfer. Nature, aide-moi. S'il te plaît. Je t'en supplie. Je suis ta fée. Tu dois avoir confiance en moi. Nature! Nature, nature, aide-moi, please! Je t'aime bien. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Ah, je suis une sorcière. Je fais partie du trio, nanananana, comme vous appelez ça, les fées. Je viens te capturer. Et tu crois que c'est comme ça qu'on dit à une fée qu'on la capture? Non, c'est en se battant. Pourquoi, tu as des pouvoirs? Non, mais j'ai une amie. Bah, c'est quoi ton amie? Dis-la moi. Regarde, tu es trop faible. Très faible, énormément faible. Tu es très, 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 très faible. Nature! Je t'appelle à l'aide. Aide-moi. Aide-moi. C'est pathétique. Un petit souffle de vent. C'est déjà le début d'un grand pouvoir. Et on y croit. Tu verras le jour où je te terroriserai avec mes pouvoirs. Tu ne diras plus la même chose. Car je serai une fée Tainix. Mon tour. Yeah! Et tu crois m'arrêter avec ça? Oui, parce que maintenant, moi, je m'en vais. Et tu vas galérer à me retrouver. Quoi, non, mais... Oh! J'aime pas les fées. Je les déteste. Et je ne peux même pas savoir où elle était. Parce que nos pouvoirs sont également pas du tout liés. Et j'ai oublié de prendre sa fiche de piste. Oh là là. Et Valtor, je sais pas où il a mis. Oh là là, je vais me débrouiller. Je suis peut-être une princesse sans pouvoir. Mais ce qui est sûr, c'est que je ferai tout. Pour sauver la vie. Car moi, j'ai la force. Et Valtor ne sera pas là pour moi. C'est sûr. Ah, je me sens inutile sur ce trône. Bah alors, viens avec nous. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Je m'appelle Olin et je viens de Californie. Ça, c'est un village de terre, c'est ça? Comment est-ce que vous êtes ici? Je suis une fée immortelle depuis que j'ai 2 ans et je suis arrivée ici à l'âge de 2 ans. Ok, très bien. Donc vous n'êtes pas née sur terre? Non, je suis pas née sur terre. Moi, je suis née ici, sauf que j'étais... J'ai été adoptée, etc. Je suis née ici, donc je ne suis pas une fée de terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, j'ai l'impression que c'est mon histoire, ça. Mais pas exactement. C'est normal, les fées de terre, je te manipule. Yeah, bombe magique! La manipulation a toujours été utilisée. Allez, je vais apporter ça à Valtor. Il serait heureux. Oh. Les autres vont réussir et moi je suis encore perdue. Bravo, s'il vous plaît, applaudissez-moi. Valtor, je suis de retour. Bien, petite Oline. Alors, tu fais du bon travail. Oui, cette fée, ça me fait manipuler par moi. C'est excellent, ça. C'est qui? La princesse Bloom. Oh, magnifique, 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 magnifique. Je te félicite. Merci, mais ce n'est rien, ne vous inquiétez pas. Juste un petit quelque chose, voilà, c'est... Donc, tu as capturé combien de fées en tout? Ah, moi, j'ai capturé Stella et celle-ci est Bloom, je crois. Donc, ça fait 2. Très bien. Donc, il faudra attendre que les autres en aient capturé 2 pour que tu retournes. Tu peux te reposer. Oh, merci. N'oublie pas, par contre, tu peux toujours attaquer si tu veux, si tu en as envie. Très bien, alors je vais aller attaquer la planète de la Féa. J'aime beaucoup cette planète. J'avais commencé à l'attaquer, donc les gens sont sur leur garde, donc fais gaffe à toi. Ah mince, alors je vais attaquer la planète de Zénith. Ça pourrait me permettre pas mal. Oui, les gens n'ont pas encore été attaqués, donc c'est une bonne idée. D'accord, bon moi j'y vais tout de suite. Au revoir maître, merci beaucoup. C'est un plaisir, Oline. Fais attention à toi, je ne veux pas qu'il t'arrive des malheurs quand même. Ah, oh, vous vous souciez de moi? Pas du tout, je veux juste te garder parce que j'aurai besoin de toi plus tard. D'accord, au revoir. Bon, cette fille, alors je vais pouvoir l'emmener dans la prison.
Bloom, la fée d'Afrique nous a raconté qu'elle a perdu ses pouvoirs. Elle ne va pas faire long feu avec moi. Petite Bloom. Bonjour. Oh, Valtor. Je vous amène de la compagnie. Qui est-ce? Une princesse, faites attention à elle. Oh, ouf, ma tête. Oh, où suis-je? Dans un cachot comme nous toutes. Comment ça, dans un cachot? On s'est fait enfermer par Valtor. Oh non. Mais bon, tu vas survivre. Nous, ça fait déjà 5 jours qu'on est là. Oh, et j'en veux plus de cette fille au milieu. Mon nom est Stella, je suis une princesse aussi. Enchantée Stella. J'aime bien ta robe. Merci beaucoup, Bloom. Tu as des beaux vêtements aussi. C'est normal. C'est la couturière du château qui me le fait. Tu veux pas que ce soit moi ta couturière du château par hasard? Ne t'inquiète pas. Il y en a déjà une qui s'en charge. Et elle est assez forte pour ça. Oui, pour sa passion, c'est la mode après tout. Hein. Moi, si tu veux, je peux te faire garder des poissons, des animaux, tout ce que tu veux. Hein. Mais les animaux, c'est ma passion. Merci beaucoup d'avoir proposé ça. Mon nom est Roxy, si tu veux savoir. Moi, c'est Bloom, les filles, je me présente. Bon, je pense que je dois me présenter aussi. Moi, c'est Tecna. Mais ne me parlez pas trop, parce que je ne suis pas trop dans mon élément. Ici, je ne pourrai pas vous répondre à toutes vos questions. Ici, on me demande comment ça va. Cette réponse, c'est non, parce que c'est simple, parce que je ne suis pas dans mon élément ici. Oui, elle n'a pas la wifi, hein. Donc, vous êtes enfermé depuis combien de temps? Au moins 6 jours. Non, c'est une affaire, ça fait 5. Non, j'ai pas vraiment ce bac à kilo. Ça fait 5, je compte à chaque fois. D'accord, mais c'est vrai que je suis arrivé à peu près. Oui, toi, ça fait 4 jours. Et moi, ça fait 3 ou 2 jours. Non, c'est là-bas, ça fait 2 jours, je suis arrivé plus tard que nous. Donc, moi, ça fait 25 jours, donc voilà. En attendant, je suis contente de faire votre connaissance. Ça me permet de faire de nouvelles connaissances plutôt qu'être enfermée dans mon château. Et bah, heureuse aussi, Bloom. Donc, bah voilà, les filles, on fait quoi maintenant? Il faut peut-être qu'on essaie de sortir d'ici. Oui, mais il n'y a aucune solution. Si, il y a des solutions. Tecna m'avait expliqué sa vision. Oui, la vision, quelqu'un m'avait appelé au secours, je ne sais plus qui c'est. Mais voilà, quelqu'un m'avait appelé au secours, j'ai essayé d'y aller, mais je ne pouvais pas. Alors, tu dis qu'on peut essayer d'avoir des visions pour aider les autres et les faire nous retrouver. C'est ce que j'ai compris après tout, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible non plus parce que ça a l'air assez compliqué, la technique de vision. Eh ben, faut toujours essayer, on pourrait peut-être se sortir d'ici. Parce que vraiment... Voilà quoi, moi je suis très fatiguée, je dors pas beaucoup. Tu te fous pas un peu de nous? Bon, c'est pas grave les filles, on va passer une assez bonne nuit, j'espère. Oui, on va se reposer, il commence à se faire tard. Et demain, on parlera tout ça ensemble, au calme. Et on essaiera de faire tout pour sortir d'ici le plus vite que possible. Oui, bah j'espère, parce que la nourriture ici, c'est pas top, hein. Et on n'a même pas d'amis animaux. On se sent vraiment seul. On a des amis humains aussi. Bon, bah je vous souhaite de bonnes nuits, les filles. Voilà. Je vais me coucher si j'arrive. Oui, moi aussi, j'allais me coucher. J'espère que c'est assez confortable. Confortable, on peut pas appeler ça comme ça, mais bon, c'est pas grave.